L'histoire de Balaam est un récit captivant, rempli de thèmes de prophétie, de mystère, d'intervention divine et de leçons morales qui résonnent à travers les âges. Elle commence au pays de Moab, où les Israélites, ayant échappé à l'esclavage en Égypte, sont en chemin pour entrer dans la terre promise. Leur présence inspire la crainte chez le roi Balak de Moab, qui cherche un moyen de contrer leur avancée. Ainsi débute une saga qui mêle le destin des nations au choix d'un seul homme. Elle se déroule dans un contexte de peur et d'ambition, alors que les Israélites cheminent vers la terre promise. Ce récit met en lumière le caractère complexe de Balaam tout en offrant une mise en garde sur les conséquences de la cupidité et de la désobéissance. Dans le pays de Moab, le roi Balak était inquiet. Les Israélites, ayant échappé à l'esclavage en Égypte, campaient près de ses terres, et leur nombre était immense. Craignant qu'il ne conquière son royaume, Balak décida d'agir. Il envoya des messagers chercher Balaam, un devin célèbre pour sa capacité à bénir ou maudire les nations. « Un peuple est sorti d'Égypte, dit-il aux messagers, il couvre la surface du pays. Viens donc le maudire pour moi. » Dans l'ombre des montagnes, des murmures de crainte remplissaient l'air alors que Balak, fils de Tsippor, observait le campement des Israélites. Un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la face de la terre et s'est installé près de moi, se lamentait-il auprès de ses conseillers. Craignant pour l'avenir de son royaume, il fit venir Balaam, un voyant réputé pour sa capacité à bénir ou maudire à volonté. Les anciens de Moab s'approchèrent de Balaam avec un message, « Viens, maudis ce peuple pour moi. » Balaam vivait à Pétor près du fleuve Euphrate, il était tenu en haute estime aussi bien par les Israélites que par les Moabites. Mais il n'était pas un prophète ordinaire, c'était un homme pris entre deux mondes, l'un qui recherchait la richesse et le pouvoir, et l'autre qui exigeait la fidélité à Dieu. Lorsque les officiers de Balak arrivèrent avec des présents et des promesses de richesse, Balaam fut intrigué mais resta prudent. Il leur dit de rester pour la nuit, le temps qu'ils consultent Dieu. Cette nuit-là, Dieu s'adressa à Balaam et lui demanda, « Qui sont ces hommes avec toi ?» Balaam expliqua leur demande, mais la réponse de Dieu fut sans équivoque, « Ne va pas avec eux. Tu ne dois pas maudire ce peuple, car il est béni. » Le lendemain matin, Balaam transmit ce message au prince de Balak et les renvoya les mains vides. Cependant, Balak ne se laissa pas facilement décourager. Il envoya des officiels encore plus distingués avec des promesses de récompenses plus grandes. Ils pressèrent Balaam de venir sans délai, que rien ne t'empêche de venir à moi. Déchiré entre l'instruction divine et la tentation terrestre, Balaam consulta Dieu à nouveau. Cette fois, Dieu lui permit d'y aller, mais lui enjoignit de ne dire que ce qu'il lui commanderait. Balak ne se laissa pas décourager. Il envoya d'autres émissaires plus prestigieux avec des promesses encore plus grandes. Ils insistèrent, « Ne laisse rien t'empêcher de venir. » Balaam consulta à nouveau Dieu, qui cette fois lui permit d'y aller mais lui ordonna de ne dire que ce qu'il mettrait dans sa bouche. Avec un cœur lourd mais un esprit enthousiaste, Balaam sella son ânesse et partit avec les officiers moabites. Il ignorait que son chemin serait bientôt bloqué par des forces divines au-delà de sa compréhension. Alors qu'il avançait, la colère de Dieu s'enflamma contre lui pour des raisons inconnues, peut-être à cause de sa fidélité vacillante ou de son avidité pour les richesses. Un ange du Seigneur se posta sur le chemin avec une épée dégainée, mais Balaam ne le voyait pas. Seul son ânesse aperçut l'ange et refusa d'avancer. Frustré, Balaam frappa son ânesse pour la remettre sur le droit chemin. L'ange se déplaça dans un passage étroit où il n'y avait pas d'espace pour passer. L'ânesse se serra contre le mur et écrasa le pied de Balaam. En colère, il la frappa à nouveau jusqu'à ce qu'elle s'effondre sous lui. Alors, sous l'action divine, l'ânesse s'adressa à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu me frappes ? »
Étonné, Balaam répondit avec colère. L'ange se repositionna dans un passage étroit entre des vignes, où des murs limitaient leurs mouvements. De nouveau, en voyant l'ange, l'ânesse se plaqua contre le mur dans la terreur et écrasa le pied de Balaam. Enragé par ce qu'il considérait comme de la désobéissance de la part de son ânesse, il la battit encore une fois. Puis, lors de la troisième rencontre, dans un passage encore plus étroit, l'ânesse s'allongea sous Balaam, désespérée. Dans un accès de rage, il la frappa une nouvelle fois avec son bâton. À ce moment-là, Dieu ouvrit la bouche de l'ânesse. « Que t'ai-je fait pour que tu me frappes ces trois fois ? » demanda-t-elle. À ce moment-là, Dieu ouvrit les yeux de Balaam et il vit l'ange du Seigneur debout sur le chemin. L'ange lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse trois fois ? Je suis sorti pour te résister, Nombre chapitre, versets 22 à 32. » Reconnaissant son péché, Balaam s'inclina devant l'ange. Balaam réalisa son erreur et confessa, « J'ai péché, je ne savais pas que tu te tenais sur la route pour t'opposer à moi, Nombre chapitre 22, verset 34. » Balaam continua son voyage et rencontra Balak à Kiriath Uzot. « Pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt ? » demanda Balak avec impatience. Balaam répondit qu'il ne pouvait déclarer que les paroles que Dieu mettrait dans sa bouche. Balak fit préparer cet autel où il offrit des sacrifices pour invoquer la faveur divine contre Israël. Balaam se tenait là, prêt à prononcer des paroles sur Israël. Lorsque Balaam se tint devant Balak au sommet du mont Péor, surplombant le camp d'Israël, il chercha la parole de Dieu. Au lieu de maudire Israël comme Balak le souhaitait, Balaam prononça des bénédictions sur eux, « Comment pourrais-je maudire ceux que Dieu n'a pas maudits ?» Nombre chapitre 23, verset 8. À chaque endroit où Balak l'emmena, espérant un résultat différent, Balaam ne put que bénir Israël. Balak devint de plus en plus frustré alors que chaque bénédiction résonnait au lieu de la malédiction souhaitée pour affaiblir la détermination d'Israël. Alors que leur rencontre se poursuivait sous le regard attentif des cieux et de la terre, Balaam livra des prophéties profondes sur les victoires futures d'Israël et même une allusion à la venue du Messie, une étoile qui se lèverait de Jacob, Nombre chapitre 24, verset 17. Cette révélation stupéfia Balak et tous ceux qui l'entendirent. Ils avaient convoqué Balaam pour des malédictions, mais reçurent des bénédictions, témoignant puissamment du contrôle de Dieu sur les affaires humaines. Malgré cette intervention divine et la clarté de l'Esprit de Dieu à travers les lèvres de Balaam, la cupidité s'empara de lui. Plus tard, des récits révèlent que Balaam conseilla à Balak comment égarer Israël par la séduction et l'idolâtrie, Apocalypse chapitre 2, verset 14. Son désir de richesse l'entraîna finalement sur un chemin d'égarement. Les conséquences furent désastreuses. Un grand nombre d'Israélites tombèrent dans le péché et attirèrent la colère de Dieu sur eux. Une plaie frappa le peuple et emporta 24 000 vies, Nombre chapitre 25, verset 9. Finalement, lors des conquêtes israélites en Canaan, Balaam fut tué par les guerriers israélites en représailles contre ses conseils perfides, Nombre chapitre 31, verset 8. Son histoire demeure un avertissement sur les dangers de laisser la cupidité obscurcir notre jugement. L'histoire de Balaam est riche en leçons sur l'obéissance, l'autorité divine et l'intégrité morale face à la tentation. Elle est à la fois un avertissement et un encouragement pour les croyants d'aujourd'hui, c'est-à-dire, écouter la voix de Dieu avant tout et reconnaître que la véritable bénédiction vient de l'alignement avec sa volonté plutôt que de la poursuite du gain personnel. Ainsi, que nous trouvions dans la vie de Balaam non seulement un exemple d'échec, mais aussi une opportunité pour une introspection et un renforcement de notre propre foi. Que cette histoire nous inspire à choisir la droiture et la fidélité, afin de tracer un chemin éclairé par la sagesse divine, même au milieu des distractions et des épreuves que nous rencontrons quotidiennement dans notre quête de vérité.
L'histoire de Balaam est riche en leçons d'obéissance, d'autorité divine et d'intégrité morale face à la tentation. Elle nous avertit tout en nous encourageant à écouter avant tout la voix de Dieu et à reconnaître que les véritables bénédictions proviennent de l'alignement avec sa volonté, plutôt que de la poursuite de gains personnels. Alors que nous réfléchissons à ce récit parsemé d'intrigues et de rencontres divines, souvenons-nous que nos choix résonnent dans l'éternité, tout comme ils l'ont fait pour Balaam, qui se trouvait à un carrefour entre la fidélité et la folie. Bien que cette histoire se termine de façon tragique, elle nous offre une opportunité de réflexion profonde sur nos propres parcours vers la fidélité, au milieu des épreuves de la vie. Le personnage de Balaam nous rappelle la fragilité de l'âme humaine, tiraillée entre les valeurs spirituelles et les attraits mondains. Son échec nous pousse à garder une vigilance accrue face aux tentations et à évaluer constamment nos priorités, en cherchant à honorer nos engagements envers Dieu. Avant de tirer le rideau sur cette vidéo, je vous invite et vous exhorte à lire régulièrement la Bible vous-même, quelle que soit votre position, soit pour affermir votre foi, si vous êtes croyant, soit pour donner du poids à vos arguments dans le choix qui est le vôtre. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec nous. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut, à partager massivement cette vidéo, et à vous abonner à ma chaîne, pour être régulièrement informé des nouvelles publications, et suivre des histoires épiques, inspirantes et édifiantes. À très bientôt. Au Christ Rédempteur soit toute la gloire. Jésus revient bientôt, Église prépare-toi, lève les yeux vers le ciel, il vient pour nous voir. Cherche la sainteté dans chaque pas que tu fais, reste fidèle à sa voix dans l'amour et la paix. Dans ce monde incertain, où les cœurs sont troublés, rappelle-toi sa promesse, il ne nous abandonnera jamais. Prends le temps de prier, de méditer sa parole, sa lumière éclaire notre chemin, notre âme s'envole. Jésus revient bientôt, Église prépare-toi, lève les yeux vers le ciel, il vient pour nous voir. Cherche la sainteté dans chaque pas que tu fais, reste fidèle à sa voix dans l'amour et la paix. Les temps sont difficiles, mais son amour est vrai. Il nous appelle à marcher dans la foi et l'humilité. Ouvre ton cœur au changement, laisse-le te guider. Dans chaque épreuve de la vie, il est là pour t'aider. Jésus revient bientôt, Église prépare-toi, lève les yeux vers le ciel, il vient pour nous voir. Cherche la sainteté dans chaque pas que tu fais, reste fidèle à sa voix dans l'amour et la paix. Quand le jour viendra et que le ciel s'ouvrira, nous serons réunis avec lui pour l'éternité. Alors chantons ensemble, unis dans l'amour divin, préparons nos cœurs pour son retour sans fin. Jésus revient bientôt, Église prépare-toi, lève les yeux vers le ciel, il vient pour nous voir. Cherche la sainteté dans chaque pas que tu fais, reste fidèle à sa voix dans l'amour et la paix. Ses paroles visent encourager les croyants, se préparer spirituellement pour le retour de Jésus, tout en cultivant une vie de sainteté et d'amour.